Elles sont venues en force. Les Japonaises constituent le gros des troupes étrangères. Avec leurs accompagnants, c'est une aubaine pour le pays. C'est une manière de promouvoir notre destination et je crois que nous avons besoin de tout ce qui peut faire venir des gens chez nous, des touristes ou même des touristes culturels. Hein. Et elles dansent avec tout leur cœur, même si souvent il leur manque ce petit quelque chose qui n'appartient qu'aux Polynésiennes. Le fait qu'elles soient volontaires fait oublier au public les imperfections. Quand ils ont décidé, donc tu as un meilleur résultat que quand tu les pousses eux d'y aller. Je pense que c'est vrai qu'ils ont encore beaucoup à améliorer, beaucoup de concentration, beaucoup d'études sur la musique. Aujourd'hui, 6 catégories de danseurs s'affrontaient. Certains en candidat libre, d'autres arrivent de 7 pays, parfois très éloignés. Et l'apprentissage se fait plutôt bien. On constate vraiment que le niveau s'élève. Au niveau technique, hein, au niveau de la danse, et puis la participation également, elle s'améliore tous les ans, même si cette année, en réalité, on s'est stabilisé. En tout, 360 participants ont dansé ces dernières 48 heures. Les meilleurs seront sur scène ce soir pour la finale de ces 5e championnats du monde de Hori Tahiti.